Bonjour, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des vies antérieures. Je vais revenir une nouvelle fois sur ce sujet et sur le besoin aussi que certaines personnes peuvent avoir à vouloir absolument les explorer et refaire revenir en surface toutes ces mémoires. Effectivement, je viens de finir la lecture du livre de Stéphane Alix. J'étais quelqu'un d'autre. C'est un livre vraiment fascinant, hein, je vous le conseille, la lecture, parce qu'il a fait d'abord, il a d'abord fait un travail vraiment, vraiment très, très important, hein, sur cette mémoire qu'il avait, sur cette précédente vie. Et on voit bien le processus d'une mémoire qui... très puissante, qui revenait, en fait, qui avait jamais été totalement occultée dans son esprit et qui a fait en fait qui vivait mal tous ses souvenirs sans savoir exactement ce qui se passait. Juste au moment où il a eu cette fameuse vision de lui, d'un autre lui-même au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et d'autant plus un personnage assez sombre. Alors effectivement, il arrive dans la vie qu'à un moment donné, on ait des mémoires comme ça qui reviennent à la surface, ou tout du moins qui ont toujours été en nous sans qu'on sache réellement ce que c'était, mais un beau jour, vraiment ça émerge et on éprouve le besoin en tout cas, si ce n'est de replonger dans nos mémoires, dans nos vies passées, en tout cas de transmuter ou de comprendre ce que ces mémoires veulent nous signifier. Dans le cas, par exemple, de Stéphane Alix, il fait vraiment une très bonne... il va jusqu'au bout de son histoire et il arrive à transmuter cette vie qui a été courte mais très, très intense, hein, karmiquement parlant. Hein. Il arrive à la transmuter. Alors, il y a différentes sortes aussi, différents protocoles, on va dire, pour pouvoir arriver à guérir ces blessures karmiques. Alors, évidemment, moi, je peux vous parler de ce que je connais. À travers les soins esséniens, évidemment, bien souvent, on remonte dans le passé à l'origine d'une blessure. D'une blessure karmique ou de quelque chose de douloureux qui fait que il y a un mal-être qui subsiste dans sa vie actuelle. Donc on peut voir, on peut lire aussi à travers la personne et revivre, en tout cas l'aider à revivre ce passage-là ou ces moments-là qui sont en rapport avec la problématique du moment. Alors, ce qu'il y a de marrant, si je fais la comparaison avec Stéphane Alix, c'est qu'il communique, il a l'impression en tout cas de communiquer avec l'autre, une autre partie de sa conscience, qui serait toujours vivante, et qui le guiderait jusqu'à certains endroits où il a vécu pour justement remonter le fil du temps et petit à petit guérir. Alors ce qui est marrant, c'est qu'en lecture d'aura, on a ce même genre de phénomène qui se produit. C'est-à-dire qu'on peut, il m'est arrivé de voir dans la personne, quand je fais une lecture d'aura, l'être qu'il a incarné à un moment donné, vous essayant de communiquer avec lui-même. Essayant de lui transmettre un message. C'est exactement la même chose que ce que Stéphane Alix a vécu. Alors il y a plusieurs moyens. Oui, non, il y a l'hypnose régressive que j'ai pratiquée, enfin, en tant que, on va dire, que cobaye. Pour des faits de ma vie actuelle, mais ce n'est pas quelque chose que moi je pratique sur les autres. Juste une petite parenthèse. Mais donc... dans ce cas précis, qui est exactement la même chose, effectivement, on aurait le sentiment qu'il y aurait deux entités distinctes, celle que vous avez incarnée dans le passé, et vous-même actuellement. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans ces cas précis,
On peut se poser la question, est-ce simplement notre mémoire qui communique avec nous-mêmes? Ce sont des souvenirs qui nous guident. Ou alors, l'entité qui fut, par exemple, que vous avez incarnée dans une autre vie, vit toujours dans un autre espace-temps. Ben, effectivement, je pense que les deux ne sont pas... Ne se contredisent pas forcément. Je pense que les deux sont valables. Dans le sens où, effectivement, quand moi je fais une lecture d'aura sur une personne, ou quand on m'a fait des lectures d'aura sur moi-même, on peut s'apercevoir effectivement qu'il y a un personnage là derrière qui veut nous signifier quelque chose. Mais ça peut très bien être simplement, en étant quelque part rationnel, notre inconscient, notre mémoire inconsciente karmique qui, elle, sait, puisqu'elle a accès à la connaissance aux annales akashiques, quelque part, quoi, qui a accès à toutes ces mémoires. Donc, on pourrait très bien, effectivement, penser que ce sont simplement nos mémoires qui, voilà, nous-mêmes, qui nous communiquons des éléments pour nous aider, nous-mêmes, à nous guider vers une libération par rapport à quelque chose de douloureux. Mais on peut aussi penser que c'est l'autre nous-mêmes sur une autre dimension, comme le pense en tout cas Stéphane Alix. Il a vraiment la sensation que, par exemple, Alexander lui parle réellement, au-delà d'une simple mémoire. Effectivement, sachant que le temps n'est pas quelque chose de linéaire, on pourrait très bien imaginer que l'autre part de conscience qui vous incarne au fil des incarnations communique avec vous sur notre plan. C'est tout à fait possible. Personnellement, quand moi je revis des mémoires ou des vies antérieures, j'ai pas cette notion de temps passé. J'ai vraiment l'impression que c'est présent, c'est-à-dire que le temps, même si ça date de 2000 ans, j'ai l'impression que c'est du présent. Donc, je pense que les deux sont tout à fait possibles. Je n'ai pas la réponse formelle à ça, je ne peux pas vous dire, c'est un autre vous-même qui vous communique d'une autre dimension, ou alors c'est une autre mémoire, je pense que les deux sont possibles, et peut-être que les deux se rejoignent aussi. Mais pour moi, voilà, je reste ouvert quant à ces hypothèses, de par mes expériences, en sachant que le temps, on vit simultanément le passé, le présent et le futur. Donc, effectivement, on pourrait même, ça, c'est quand on transcende ça, on peut se dire, dans ces cas-là, il n'y a plus de réincarnation. Puisqu'on vit simultanément toutes nos vies. A besoin de se réincarner. Alors moi je dirais que c'est vrai à un niveau absolu, mais dans un niveau relatif, c'est là où les choses nous dépassent. À un niveau relatif, évidemment, il y a cette conscience qui va se réincarner de corps en corps, vous connaissez l'histoire, jusqu'à atteindre la libération. Mais au-delà de ça, on peut très bien envisager ça. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est petit, en fin de compte, par rapport à tout ça. Parce que tout peut être... De la manière dont vous voyez les choses, tout change. De la même manière que l'on sait qu'on peut modifier un élément, des éléments ou des parcours de vie du passé, si on reste dans cette notion-là. Hein. C'est-à-dire qu'arrivé à un moment donné, on peut... redescendre dans une vie antérieure, bon, supposons, on va prendre l'exemple de Stéphane Alix, puisque peut-être que vous l'avez lu, ou vous le lirez, je vous le conseille, au moment où il va s'engager dans la Waffen-SS, à l'âge de 19 ans. Imaginez que Stéphane Alix, à un moment donné, soit capable, et la possibilité existe, de revenir à ce moment-là, et de modifier son engagement. C'est-à-dire, au lieu de s'engager dans Waffen-SS, il ne va pas du tout s'engager là-dedans, il va faire la vie qui,
une autre vie. Dans ces cas-là, tout va changer. Évidemment, il ne sera pas le personnage incarnant l'ordre noir. Eh bien, ceci est véritablement possible. Je ne dis pas du premier coup, mais à force de répétition, on peut arriver à modifier des éléments de notre vie. Je ne vous dis pas dans cette vie en trois dimensions. Probablement dans des vies, dans des dimensions, peut-être étant dans la cinquième ou sixième dimension, peu importe. Moi, je reste toujours, je ne dépasse pas plus la cinquième parce que la sixième ne peut pas, on ne peut pas déjà les comprendre. Donc déjà, c'est bien simple de comprendre la cinquième. Donc, voilà, donc c'est pour dire que tout est modifiable. Dans ces cas-là, ça peut avoir des incidences sur tout, sur tout, sur toute l'humanité. Imaginez par exemple que Hitler, à ce moment-là, décide, revienne pour modifier son espace-temps, ses vies, et au lieu de décider d'être le chancelier, le Führer de l'Allemagne, il décide tout simplement de poursuivre sa carrière de peintre, d'artiste. Mais dans ces cas-là, tout change. La Seconde Guerre mondiale n'aura probablement pas lieu. Il n'y aura pas 60 millions de morts. Donc 60 millions de personnes qui ont un karma, une vie aboutie jusqu'au bout, qui risquent de modifier complètement l'humanité. Parce qu'on ne sait pas, toutes ces millions de personnes, l'incidence qu'elles pourront avoir sur le cours de l'évolution de leur pays ou du monde. Donc tout change. C'est ça qui est quelque chose de fabuleux au niveau de ces possibilités-là. Bon, évidemment, dans notre monde encore à trois dimensions, c'est difficile d'envisager de le comprendre dans sa globalité, mais sachez une chose, c'est que c'est possible, c'est que ça existera un jour, que ça existe déjà, et qu'un jour, en tout cas, l'humanité terrestre sera à même de modifier les parcours de vie, son parcours de vie dans le passé. Enfin, dans le passé, en sachant que le passé, présent et futur vivent simultanément. Alors, on peut aussi se dire, peut-être que quelques-uns d'entre vous aussi ont des mémoires de leur vie en passé. Évidemment, on en vit des milliers, voire des centaines de milliers, voire peut-être même des millions. On ne peut pas savoir ça. Je pense donc que vous pouvez au moins vous rappeler que certains d'entre vous se rappellent de deux ou trois vies passées qui peuvent être des vies assez récentes, comme des vies qui peuvent dater de 3000 ans. Moi, par exemple, j'ai des souvenirs très clairs d'une vie que j'ai eue il y a 2000 ans. Et je vous garantis, elle est aussi, je vais dire quelque part, elle est aussi jojo que, que celle de Stéphane Alix, hein, parce que on a chacun eu des parcours, on peut avoir dans nos vies des parcours un peu bizarres, on va dire. Voilà. En fait, j'ai un souvenir très très clair de celle-là. Je pourrais la raconter comme si c'était hier. Alors que la toute dernière vie, je ne suis pas sûr de m'en rappeler. En tout cas, je ne veux pas forcément aussi me la rappeler. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Voilà, donc on peut se rappeler de certaines vies, donc certaines vies qui ont quand même une certaine importance, en tout cas envers nous-mêmes, peut-être même envers les autres, et puis on a aussi des vies insignifiantes, enfin, quand je dis insignifiantes, aucune vie n'est insignifiante, chaque vie a son rôle, vous explorez quand même quelque chose dans chaque vie, vous pouvez avoir des vies qui sont, on va dire, plus tristes que d'autres, ou plus modestes, ou plus... Vous avez vite envie de la zapper parce qu'en fin de compte, bon, ça n'a pas été ça, quoi. Et puis, donc, d'autres qui vous rappellent des bons moments. En général, on se rappelle plutôt les moments forts ou les bons moments. Quand je dis les moments forts, ça peut être aussi des moments dramatiques, la preuve pour Stéphane Alix. Mais il y a aussi des très bons moments, hein. Il y a des personnes qui se rappellent de vies très heureuses au Moyen-Âge ou à la Belle Époque, ou peu importe. Et puis d'autres qui, pour les mêmes périodes, ce seront des vies dramatiques. En tout cas, moi, je m'en rappelle clairement de quelques-unes que j'ai pu transmuter, évidemment, en m'aidant aussi comme outil de l'astrologie, en permettant de comprendre mon thème, savoir d'où je viens, ce que j'ai pu être dans d'autres vies, et puis, bon, grâce à ces mémoires, essayer de transmuter, en tout cas, voilà, d'aller mieux par rapport à d'autres, par rapport à des faits, en tout cas, que j'aurais pu effectuer. Alors après, quand vous découvrez
une vie qui peut être lourde. Bon, évidemment, il faut rester quand même. Bon, il faut essayer de ne pas trop se juger, ne pas trop se condamner, parce que de toute façon, vous n'incarnez plus la personne que vous avez qui a fait les actes dans une autre vie. Donc, il faut rester quand même serein et puis comprendre que des fois, on expérimente des choses qui peuvent être tout à fait condamnables, mais en sachant qu'on joue toujours le rôle du bourreau, de la victime, et que ça, comment dire, dans beaucoup de vies, ça change, quoi. Une fois incarné le bourreau, une fois la victime, mais que même les êtres qui nous entourent, voilà, il y a tout un jeu. Bon, c'est compliqué à décortiquer, mais c'est souvent les mêmes schémas qui ressortent. Et puis, il faut arriver un peu aussi maintenant à sortir de toujours ce même rôle bourreau, victime, victime, bourreau. Que ce soit à tous les niveaux, hein. Que ce soit au niveau du couple, au niveau de la vie, ou à un niveau plus aussi de. Plus peut-être guerrier, ou au niveau de la société. Ça peut être un patron qui peut être un bourreau, ou alors vous avez été l'ouvrier qui a été une victime soumise d'un patron tyrannique. Après, ça peut être n'importe quoi. Bon, c'est toujours des jeux de rôle hein, qu'il faut arriver un peu à dépasser, et en tout cas à ne plus suivre dans cette vie, et ne plus s'identifier à ça quand vous le revivez. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à ce niveau-là? Donc, après, évidemment, il y en a... on retrouve toujours ce genre de truc, des personnes qui vont vouloir... absolument voir que des vies fabuleuses, des vies riches, ou alors vouloir incarner un personnage illustre. Alors moi je peux vous garantir que j'en ai vu des tas de Marie-Madeleine et des Marie de tout ce qu'on veut, hein. J'en ai vu tout un tas, et la plupart du temps ce ne sont pas des réincarnations de Marie. Donc je pense que là aussi il faut arrêter de se mentir et... être un peu honnête envers soi-même, surtout quand on va explorer ce genre de choses. Rares sont les personnes qui ont incarné des personnages illustres dans le passé. Pourquoi toujours vouloir se dire « moi j'ai été ça, moi j'ai été ci » ? Peu importe, même si une personne leur a vraiment incarné, de toute façon on n'en parlera pas comme ça. Donc voilà, en fait, ce que je veux dire à travers ça, c'est qu'arrêter aussi... Quand on explore les vies karmiques, évitons de nous raconter des histoires. Voilà. Ça, c'est toujours pareil. On retombe souvent dans des clichés, dans des schémas, où il faut qu'on se crée un personnage pas possible pour pouvoir nourrir notre ego. Voilà. Croyez-moi, moi, j'ai eu des vies vraiment très... je veux dire, très simples, très banales, on va dire. Des vies très... mais pour moi, elles avaient leur importance, mais voilà, j'ai pas incarné de personnage illustre ou quoi que ce soit. Après, j'en ai eu d'autres où j'ai eu des rôles beaucoup plus importants, évidemment. Mais ça n'a aucune espèce d'importance, parce qu'actuellement, voilà, je n'incarne pas un personnage outre que celui que je suis actuellement et qui n'est pas vraiment quelqu'un de très important. Donc voilà, ça c'est toujours la prudence, le discernement par rapport à toutes ces choses. C'est la même chose que je vous dis quand vous faites du channel. Voilà quoi. Donc c'est toujours garder discernement. Et surtout si vous voulez par exemple explorer vos vies, alors il faut vraiment que ça soit un appel qui vous parle comme quelque chose qui vous remue parce que ça vous empêche de vivre ou ça vous bloque dans votre vie. Vous avez des réminiscences de ces vies, donc quelque chose véritablement transmuté. Dans ces cas-là, essayez de trouver quelqu'un qui est sérieux à ce niveau-là, qui saura vraiment vous guider intelligemment, si vraiment vous voulez le faire. Ou alors vous faites en lecture d'aura, hein, comme on fait en soins esséniens. Mais toujours pareil, hein, avant... de mettre vos vies passées, en tout cas dans les mains de quelqu'un, examinez bien la personne avec qui vous allez travailler. Ayez vraiment confiance et évitez quand même les charlatans qui risquent de vous raconter n'importe quoi, parce que je l'ai vu ça, hein. J'en ai vu des séances de rebirth qui étaient n'importe quoi, ou d'hypnose régressive où en fait la personne racontait le film qu'elle avait vu la veille, quoi. Donc, il faut vraiment que ça soit fait dans les règles de l'art. Voilà.
Ça, c'est juste un conseil que je vous dis, que je vous donne au passage. Mais après, oui, ça peut être, je pense qu'effectivement, c'est dans certains cas, sans vouloir fouiller systématiquement toute ma vie, je pense que dans des cas bien précis, c'est salvateur. Oui, ça peut vraiment vous aider à guérir de toutes ces mémoires, de tout ce qui s'est passé. Surtout quand on est vraiment dans une époque où on est là pour purifier et pour aller au-delà où on doit libérer tous nos boulets, voilà, qu'on se trimballe de vie en vie. Hein. Donc on doit repartir un peu plus allégé, même totalement allégé pour la prochaine vie. Les prochaines vies. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour sur ce que je voulais vous dire au sujet des vies passées. Alors, voilà, donc en plus, bon, effectivement, on vit aussi une époque qui fait que beaucoup de mémoires vont vous revenir. Ça fait partie du phénomène d'éthérisation de la planète. On a des nouvelles capacités, mais on a aussi beaucoup de choses qui remontent à la surface et que l'on doit purifier, comme certains actes passés de vie antérieure. Alors, ça peut être des fois des petites choses qui vous bloquent dans la vie actuelle, hein. Des fois, c'est un non-dit, des fois, c'est comment dire, voilà, des histoires cachées au sein d'une famille, voilà, des choses comme ça, qui peuvent ressortir dans cette vie-là. Hein. Il y a plein de choses comme ça, des trahisons, évidemment, des blessures. Ça peut être tout un tas de petits trucs, mais des fois parfaitement insignifiants. Hein. En tout cas, qui peut vous paraître insignifiant, mais qui en réalité a des conséquences actuellement, et qui peut même déclencher par la suite des maladies ou tout un tas de choses, si on laisse faire. Mais donc, actuellement, ce qui se passe, c'est que toutes ces choses-là remontent à la surface, et c'est un bien, c'est quelque chose de très positif. Donc, c'est une manière ou d'une autre de les transmuter, sans forcément aussi vouloir explorer en profondeur une vie antérieure, parce que ça a quand même quelque chose de très remuant, hein. Remuer une vie antérieure comme ça peut être très très dérangeant. C'est pour ça que je vous dis quand même prudence à ce niveau-là. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Bon, c'était probablement la dernière vidéo de l'année. Je vous retrouverai dès l'année prochaine, peut-être un rythme un peu plus soutenu au niveau des vidéos. Si vous avez aimé, ben, mettez un pouce bleu parce que c'est quand même vraiment important pour moi. Les petits likes. Hein, au niveau de ma chaîne YouTube, parce que ça me permet d'être un peu plus référencé, de la partager cette vidéo, de vous abonner et d'activer la petite cloche à côté des notifications. Hein, c'est celle qui vous permet de recevoir une petite alerte à chaque fois que j'en mets une en ligne. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite qu'on se retrouve pour l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Voilà, à très bientôt. Au revoir.